Bonsoir, voici les titres de ce journal. Commémoration du 80e anniversaire de l'armistice du 11 novembre, mettant fin à la Première Guerre mondiale, un conflit où 8,5 millions de soldats ont trouvé la mort. Commémoration en présence de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et du président Jacques Chirac. Les cérémonies officielles ont rappelé les sacrifices de tous les soldats, notamment venus de l'étranger. Hier, le dernier survivant des bataillons de tirailleurs sénégalais est décédé. Nous l'avions rencontré il y a quelques semaines. Les États-Unis adressent un nouvel avertissement à l'Irak et se déclarent prêts à agir si Saddam Hussein ne coopère pas avec les inspecteurs de l'ONU. Le président du Conseil constitutionnel, M. Roland Dumas, n'entend pas démissionner malgré quelques pressions politiques. Le nom de M. Dumas est évoqué à propos d'une nouvelle information judiciaire. La comédie française en tournée en France, puis en Europe de l'Est jusqu'au printemps prochain. Nous retrouverons les comédiens français dans les fourberies de Scapin ce soir à Narbonne. 11 novembre 1998, 80 ans après les notes du cessez-le-feu jouées sur un clairon de la Grande Guerre, c'était aujourd'hui une cérémonie traditionnelle, mais sans doute plus importante que les précédentes. Il reste peu de survivants qui ont connu le plus grand champ de bataille du monde. Ce matin, la reine Elisabeth II d'Angleterre et le président Jacques Chirac, avec à ses côtés le Premier ministre Lionel Jospin, ont rendu un hommage solennel aux combattants de la guerre 14-18. Commentaire François Cornet. En cette matinée ensoleillée d'automne sur les Champs-Élysées, le clairon sonne le cessez-le-feu comme sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Associée effectivement exceptionnellement à cet hommage, la reine d'Angleterre a déposé en même temps que le président de la République une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Au mort ! Bleuet, marguerite blanche et coquelicot pour la France, coquelicot également pour la Grande-Bretagne. La France, champ de bataille du monde durant cette grande guerre que l'on croyait être la der des der, s'est souvenue, en ce 80e anniversaire, des 8,5 millions de soldats tombés dans les tranchées, un conflit interminable de 51 mois qui a tué presque autant de civils. Présents cette année encore pour cette commémoration, quelques-uns des 1200 poilus survivants salués par la reine d'Angleterre et le président de la République. Bonjour. Accueil chaleureux pour la reine Elisabeth, applaudie ce matin par les Parisiens. Après cette cérémonie à l'Arc de Triomphe, la reine Elisabeth et Jacques Chirac se sont ensuite rendus au pied des Champs-Élysées, à l'endroit où s'élève la statue de Georges Clémenceau, le père de la victoire. Clémenceau, que Churchill avait observé en 14-18 et dont il s'inspirera dans sa stratégie de la Seconde Guerre mondiale. Taxi de la Marne, de la Voie Sacrée à Verdun, cette matinée de commémoration s'est achevée par un défilé en forme de reconstitution sur les champs avec ce canon de 75 tracté par 6 chevaux et les célèbres ambulances et courageuses infirmières de 14-18. Et à la suite de la cérémonie, en hommage aux combattants de 14-18, la reine Elisabeth II et M. Chirac ont inauguré la statue de Winston Churchill, implantée en bas des Champs-Élysées, près du Petit Palais. La statue représente Churchill en uniforme de la Royal Air Force. C'était la tenue qu'il portait le 11 novembre 1944, lors du défilé sur les Champs-Élysées, aux côtés du général de Gaulle. Dans son discours, la reine Elisabeth II a associé Churchill et de Gaulle. Charles de Gaulle et Winston Churchill savaient tous les deux ce qu'ont été les horreurs de cette guerre, à la fois comme soldats et comme hommes politiques. L'un et l'autre ont fait preuve d'une audace et d'une volonté exceptionnelles. Ils ont été d'authentiques meneurs d'hommes. Notre dette envers eux est immense.
Et puis dans l'après-midi, la reine d'Angleterre retrouvait en Belgique le roi Albert pour inaugurer un mémorial aux soldats irlandais du Nord et du Sud tombés pendant la Première Guerre mondiale. À Londres, à 11h ce matin, 2 minutes de silence ont été observées, aussi bien dans la capitale que dans l'ensemble du Royaume-Uni, pour rappeler la campagne menée par la Légion royale britannique sur le territoire français lors de la Grande Guerre. En Allemagne, le nouveau chancelier, M. Schröder, n'a pas souhaité célébrer une défaite. La mémoire allemande est surtout emplie de la honte des crimes nazis. Le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères, M. Fischer, voit dans la fin de la Première Guerre mondiale l'incapacité à conclure la paix. Et puis, paradoxalement, pour nous Français, le 11 novembre, en Allemagne, c'est un jour de carnaval. Reportage de nos correspondants Olivier Lerner et Johannes Scherenberg. Il faut entrer dans la forêt, marcher plus de 20 minutes pour trouver le monument aux morts français à Berlin. Dans la plus grande discrétion, une commémoration franco-allemande a eu lieu il y a 4 jours. On ne peut pas oublier les millions de morts qu'il y a eu et les effacer d'un coup d'éponge, c'est pas possible. Pourtant, à 11h11, tous les 11 novembre, pour les Allemands, c'est l'ouverture du carnaval. Saison des amours, des amusements. On est loin de la Première Guerre mondiale, des champs de bataille et de la défaite. Ce qui compte pour les Allemands autrefois et aujourd'hui, c'est le 9 novembre. Donc je suis content, si vous voulez, d'un certain point de vue, qu'ils fassent la fête le 11 novembre, parce qu'antérieurement, ils ont commémoré comme il le fallait le 9 novembre. 9 novembre 1938, pogrom antisémite, nuit de cristal. Le président allemand porte encore sur lui la honte des crimes nazis. Mais le chancelier Gerhard Schröder veut regarder vers l'avenir et ne plus laisser le pays qu'il dirige dans le rôle du coupable. Alors, l'Allemagne ne célébrera plus le 11 novembre, exactement comme avant. Schröder n'est pas un homme avec une culture historique et pour lequel des événements comme la fin de la Première Guerre mondiale sont d'une moindre importance. On n'est pas prêt de revoir un chancelier allemand la main dans la main d'un président de la République française. La seule cérémonie franco-allemande de ce 80e anniversaire réunira le secrétaire d'État français aux anciens combattants et l'ambassadeur d'Allemagne à Paris le 15 novembre prochain au cimetière militaire de Versailles. À n'en pas douter, cette cérémonie sera modeste et n'aura aucun écho. C'est bien le but recherché par les Allemands. À l'occasion de cette date anniversaire d'un armistice qui mettait fin à de terrifiants combats, la mémoire collective retiendra peut-être ce jugement de l'un des poilus présents ce matin sur les Champs-Élysées sur l'inutilité de cette guerre. Et pourtant, des millions d'hommes ont payé de leur vie ce conflit de territoire. Explication Gérard Griesbeck. Ce devait être une guerre éclair, elle dura 4 ans. Dès le début, c'est la boucherie, 250 000 soldats français sont tués en 2 mois, en août et septembre 14. La France découvre alors que la puissance de feu allemande est considérable. Dès lors, les deux camps s'enterrent dans des tranchées. Les assauts désespérés ne vont jamais cesser pour gagner une colline ou 100 mètres de terrain. Le tournant de la guerre a lieu à Verdun en 1916. L'offensive allemande est stoppée, mais à quel prix ? 700 000 soldats allemands et français sont tués en 10 mois. Verdun marque le début de la guerre moderne. Il ne s'agit plus seulement de gagner, mais d'anéantir l'ennemi. Pour la première fois, on utilise les gaz asphyxiants, les avions de bombardement et les chars d'assaut. La révolution russe de 1917 affaiblit les alliés, mais les États-Unis entrent alors en guerre contre l'Allemagne. 1917 marque aussi les offensives inutiles du général Nivelle sur le chemin des Dames et les mutineries. Grâce aux troupes américaines, la guerre sera gagnée sous la direction de Georges Clemenceau, Premier ministre, et de Philippe Pétain, commandant en chef des armées. Après 4 ans de folie meurtrière, la carte de l'Europe a changé. 4 empires ont disparu, russes, austro-hongrois, prusses et ottomans. De nouveaux états voient le jour, dont la Pologne. Le bilan humain est terrible, 1,5 million de morts du côté français, toute une classe d'âge a disparu. Les femmes entrent massivement dans la vie économique et sociale, le gouvernement doit faire appel à 3 millions d'immigrés, l'ère industrielle a commencé, l'année 1918 marque le vrai début du XXe siècle. Et il convient de ne pas l'oublier, aux côtés des soldats français, il y avait sur les champs de bataille 15 autres nationalités alliées, depuis des Australiens jusqu'aux Indiens, mais aussi des combattants enrôlés en Afrique dans les territoires coloniaux français. Les tirailleurs sénégalais se distinguèrent par leur courage. L'un des généraux de 14-18 parlait pourtant de force noire à consommer avant l'hiver.
Souvent, les soldats venus des colonies furent enrôlés de force. Nous sommes allés, il y a quelques semaines, au Sénégal, retrouver un survivant du bataillon des tirailleurs sénégalais. Âgé de 104 ans, Abdoulaye Ndiaye était retourné dans son village. Il devait être décoré de la Légion d'honneur aujourd'hui. Il est décédé à la veille d'être ainsi salué par la France. Reportage Bertrand Coq, Jean-François Renou. C'est à Thiovor, un petit village de Brousse, que vivait entouré des siens Abdoulaye Ndiaye, 104 ans, le dernier des tirailleurs sénégalais, vétéran de la Grande Guerre. Ma première bataille, c'était sur la Somme. C'est là qu'on a vu les Allemands pour la première fois. Les Français avaient fait sauter un pont. Pendant 3 jours, on a rampé, on s'est battu. À ce moment-là, il faisait encore chaud. On retrouve à Pau, aux archives de l'armée, des extraits du dossier militaire du tirailleur Ndiaye, engagé volontaire à 20 ans, matricule 14 576. Blessé 3 fois, la première dès les premiers jours de la guerre en Belgique, la seconde en 16 sur la Somme lors d'un assaut, 2 balles dans la tête. La première est sortie par là, vous voyez? Elle m'avait frappé là. La seconde a ricoché contre mon casque et m'a touché là. Madiob Diara, c'est le canon qui l'a tué. Il était cuisinier. L'explosion d'un canon l'a coupé en deux. Avec Mbaï, on l'a enterré. On a pris son gris-gris et on l'a mis en terre. De 14 à 18, la France a lancé dans la bataille plus de 600 000 colonisés, dont les fameux tirailleurs sénégalais. Mwangaze militaire, mwangaze militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du soldats d'Afrique employés à toutes les offensives et parfois forcés d'improviser une revue nègre entre 2 assauts pour les opérateurs du front, tandis qu'à l'arrière, Mayol chantait Boudou Badabou, le tirailleur de Tombouctou. Il s'appelait Boudou Badabou, il jouait de la flûte en acajou. Je n'exagère pas, c'était le plus beau gars de toute la Nouba. Oh, quand son régiment défilait, pour son joyeux des flageolets, le tout Tombouctou admirait surtout celui de Boudou Badabou. Quelquefois moqué avec ce mélange de mépris et de paternalisme que l'époque réserve aux indigènes, les troupes noires n'en sont pas moins respectées pour leur valeur au combat. Du reste, les Allemands en ont une trouille bleue. Des Allemands, moi j'en ai tué 2. Et les 2 que j'ai tués, c'était de leur faute. L'un était dans un trou, c'est un copain qui l'a vu. Alors j'ai pris une grenade et toc, je l'ai balancé dans le trou. Et l'Allemand a sauté. Plus tard, j'ai pris son pistolet, mais les Français me l'ont confisqué. Un jour, on devait remonter au front. Tout à coup, un clairon sonne et quelqu'un crie « La guerre est finie !» La guerre est finie, la guerre est finie. Waouh ! Qu'est-ce qu'il a dit comme ça ? La guerre est finie. Les officiers étaient contents, ils s'embrassaient, ils disaient « Ça, c'est bien !» Trois jours après, on nous a renvoyés chez nous, on nous a embarqués sur un bateau et c'était fini. Mais la guerre, j'y repense encore, tous les jours. La nuit souvent, je rêve que je suis en train de me battre. Depuis hier, le dernier des tirailleurs sénégalais a cessé de se battre. Il a rejoint son ami Madiob Diara, les 2 Allemands à la grenade, et tous ses copains, morts pour la France.
Grand-père Ndiaye a tiré sa révérence comme un seigneur, sans attendre cette Légion d'honneur dont la France s'apprêtait enfin à le gratifier 80 ans après. Aux États-Unis, à Washington, le président Clinton a adressé un nouvel avertissement à l'Irak, affirmant que son pays était prêt à agir si Saddam Hussein ne reprenait pas une totale coopération avec les inspecteurs de l'ONU. Ce soir, au Conseil de sécurité, à la demande de la Russie, des explications américaines doivent être données concernant la situation en Irak. Le Pentagone a indiqué être prêt à envoyer des bombardiers et des chasseurs américains dans le Golfe. 3000 soldats américains supplémentaires seraient dépêchés pour renforcer le dispositif en vue d'une frappe en Irak. Et pour cette frappe, le chef d'état-major des États-Unis affirme qu'ils n'ont pas besoin de lancer un nouvel avertissement. À Bagdad, on se prépare, selon le président Saddam Hussein, à l'éventualité d'une telle frappe dite américano-sioniste. Reportage de nos envoyés spéciaux à Bagdad, Patrice Romden et Patrick Voix. Ils ont eu la nuit pour boucler leurs valises, mais n'en ont informé la presse qu'au matin, suffisamment tôt cependant pour que leur départ soit médiatisé. Après tout, depuis deux semaines, les inspecteurs de l'UNSCOM se demandaient ce qu'ils faisaient à Bagdad. L'Irak refuse de coopérer avec eux. Les opérations de contrôle du désarmement sont suspendues. S'agit-il d'exprimer le mécontentement des Nations Unies? S'agit-il de signifier l'imminence d'un bombardement? Difficile de trancher, même si le discours du porte-parole de service n'a rien d'apaisant. En raison de l'incertitude qui prévaut actuellement et à la suite des instructions venues du siège des Nations Unies à New York, il a été décidé de rapatrier ceux dont la présence n'est pas indispensable ici. Cette mesure concerne nos différentes équipes présentes à Bagdad. Il s'agit là d'une mesure de précaution qui concerne la sécurité du personnel des Nations Unies. Une trentaine de personnes restent sur place pour superviser l'application de l'accord pétrole contre nourriture qui continue de fonctionner. Quant aux partants, ils s'entassent à bord de 3 autobus et d'une demi-douzaine de voitures. Les uns prendront l'avion direction Bahreïn, les autres fileront sur Amman, c'est à une journée de route. Suffisamment loin pour se mettre à l'abri des bombes, suffisamment prêts pour revenir rapidement. Jour d'orage sur Bagdad, il pleut par intermittence et de temps à autre on entend le bruit du tonnerre. Jusqu'à hier soir, cela faisait sourire les habitants qui comparent ce bruit à celui des avions, mais depuis le départ de l'UNSCOM, cela n'amuse plus grand monde. En Israël, le gouvernement de M. Netanyahou était réuni aujourd'hui pour examiner le contenu des accords signés à White Plantation aux États-Unis avec le président Arafat. M. Netanyahou vient d'annoncer à l'issue d'un vote de ce Conseil des ministres que l'application des accords se ferait bien tout en posant de nouvelles conditions au retrait militaire de l'armée israélienne de 13% du territoire cisjordanien. L'aéroport de Gaza, en conséquence, serait ouvert dès dimanche et les premières libérations de prisonniers palestiniens devraient intervenir dans le courant de la semaine prochaine. De son côté, l'autorité palestinienne entend démontrer sa volonté de poursuivre tous les auteurs d'actes de terrorisme. Pour la première fois, les services de sécurité palestiniens ont accepté de s'exprimer. Voici le reportage de notre correspondant Charles Anderlin. Un QG isolé et bien gardé dans la caserne des forces de police à Gaza. C'est le siège des services de renseignement palestiniens. Seuls les officiers supérieurs peuvent être filmés à visage découvert. Ici se trouvent les cellules où sont détenus les suspects en cours d'interrogatoire. Ces jours-ci, des militants du Hamas et du djihad islamique. Le général Amin al-Hindi est le grand patron de ce service. Homme de l'ombre, c'est un proche de Yasser Arafat. Il a participé aux négociations de White River. Les groupes extrémistes veulent toujours commettre des actes contre le processus de paix. Mais ils n'ont plus ni les moyens ni la liberté de mouvement depuis les territoires sous notre contrôle. Les deux derniers attentats ont été des actes individuels et ne proviennent pas de groupes organisés. Pourtant, le dernier attentat de Jérusalem a été revendiqué par le djihad islamique. Nous avons eu des discussions avec les chefs du djihad ici à Gaza. Et je peux vous dire que la décision n'a pas été prise par l'organisation. Nous croyons que l'ordre est venu de l'étranger. Vous craignez pour la vie du président Yasser Arafat? La vie du président est toujours en danger car il mène la bataille pour la paix. Il est important d'assurer sa sécurité. Son existence est la garantie même du processus de paix. Les Israéliens exigent du général Amin al-Hindi une lutte antiterroriste encore plus dure.
Mais la CIA, qui est l'arbitre de l'application des accords de White River, estime que les Palestiniens tiennent leurs engagements. L'administration Clinton demande donc à M. Netanyahou d'en faire de même. C'est la première fois que Washington prend ainsi le parti des Palestiniens. En Indonésie, dans le centre de la capitale, Jakarta, de très violents incidents ont opposé les forces de l'ordre à des manifestants. Après 32 années de pouvoir autocratique du président Suharto, l'Assemblée constitutive nationale tente de réorganiser une vie politique démocratique. Mais les organisations de défense des droits de l'homme et les différents partis d'opposition qui manifestaient se sont heurtés aux policiers et aux militaires qui ont tiré dans la foule. Il y aurait de nombreux blessés. En Amérique centrale, l'aide internationale en faveur des populations sinistrées après le passage de l'ouragan Mitch s'organise. La communauté internationale répond aux appels lancés par les présidents du Nicaragua et du Honduras. La France a demandé un moratoire sur dette des pays touchés. Pour acheminer l'aide humanitaire, les difficultés sont très importantes compte tenu de l'état des voies de communication. Au Nicaragua, dans l'estuaire du Rio Negro, à Puerto Morazán, les inondations ont tout détruit. Pendant près de 5 jours, les habitants ont donc dû se réorganiser. Ils vivent là-bas, dans cette région, de l'élevage de crevettes, une des principales ressources avec le café au Nicaragua. Nos envoyés spéciaux, Hervé Brusini et Jean-François Hoffmann, se sont rendus aujourd'hui dans cette zone dévastée. Leur année scolaire s'est achevée avec l'ouragan Mitch. L'eau a recouvert l'école pendant 4 jours. Plus de livres, plus de cahiers, et surtout pas d'argent pour instruire à nouveau les 259 élèves de Puerto Morazán. Sur l'estuaire du Rio Negro, les 1500 habitants ont reconstruit ce pont à la hâte. Juste à côté, l'autre a été détruit, et ce tuyau qui amène l'eau potable reste sec. Le village est sans électricité. Ces réfugiés venus des alentours attendent de quoi manger. Ils repartiront bredouille car ici déjà tout le monde ne mange pas à sa faim. Au bord du fleuve, le village justement était une proie facile pour l'énorme crue d'il y a 2 semaines. L'eau arrivait juste en haut. Elle garde le sourire, l'adjointe au maire. Et pourtant le jour de la catastrophe, tout le monde a bien cru que c'était la fin. Après avoir rassemblé ses 2 filles, elle a voulu sauver la photo de son frère décédé. Avec l'eau jusque-là, je suis montée sur la table et j'ai décroché la photo. Je suis sortie et je me suis enfuie. J'ai pris ce chemin là-bas. Je suis allée au centre de prévention, comme on l'appelle. Quand on était là-bas, vers 10 heures du matin, l'eau nous arrivait à la taille. Parce que c'est un endroit situé plus haut. Vers 2 heures de l'après-midi, les crues ont augmenté. On avait de l'eau jusqu'à la poitrine. Les enfants, tout le monde commençait à crier désespéré parce qu'ils croyaient qu'ils allaient se noyer. Par bonheur, des bateaux sont arrivés. On a placé les habitants sur les collines et pendant 3 jours, ils se sont nourris de la viande des animaux qui venaient de se noyer. Mais le village doit maintenant affronter un autre désastre. Sa seule source de revenus a disparu. Ici, les pêcheurs élèvent des crevettes dans de grands bassins et tout a été balayé par l'ouragan. Même les 12 tonnes qui devaient partir pour les États-Unis, l'Allemagne et la France. Rien que pour les dégâts du bassin, le coût s'élève à 6 millions de francs. 5000 personnes vivent de cette pêche en coopérative. Le grand responsable, le voici, attelé à la tâche. Il faut au plus vite reconstruire, mais bien sûr, là aussi l'argent manque. Nous croyons qu'il y a des organismes dans d'autres pays qui pourront nous écouter. Parce qu'avec nos seuls efforts, nous ne sommes pas en mesure de reconstruire rapidement. Pour l'heure, à Puerto Morazán, ils n'ont qu'une ressource, leurs bras. Bien insuffisant pour que l'on puisse bientôt transporter les 6 précieuses cargaisons de crevettes. Ce soir, le président Jacques Chirac arrive au Mexique. Il a modifié le programme de son déplacement officiel et se rendra à la fin de la semaine au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et au Salvador sur les sites sinistrés pour comprendre les besoins des populations et rencontrer notamment les équipes de secours françaises. C'est une sorte de guerre commerciale qui menace entre l'Union européenne et les États-Unis. Une guerre commerciale à propos de la banane. Washington conteste le régime d'importation européen des bananes et vient de publier une liste de 5 pages de produits européens qui vont de l'aspirateur jusqu'au vin et fromage, des produits européens qui seraient taxés à 100% si les Américains n'obtiennent pas satisfaction. Explication Sébastien Vibert. De ces plantations martiniquaises, 220 000 tonnes de bananes partent chaque année pour l'Europe.
l'Europe, qui achète aussi aux producteurs africains, des Caraïbes et du Pacifique. 71 pays privilégiés au total, l'Europe leur assure des quotas d'achat sans droit de douane. Système que les États-Unis n'ont cessé de dénoncer et que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a jugé discriminatoire en 1996. L'Europe a donc revu son régime d'importation de bananes. Pas assez satisfaisant selon les Américains, qui protestent à nouveau et menacent de sanctions. Le commissaire européen au commerce n'apprécie guère. Cette décision est une grave erreur de jugement politique et elle est contraire aux obligations des membres de l'OMC. Elle risque de causer des dommages importants dans les relations entre l'Europe et les États-Unis. Mais l'Europe importe aussi des bananes d'Amérique centrale avec droit de douane. Les exploitations du Costa Rica, de Colombie ou du Honduras appartiennent à de grandes compagnies privées américaines. Les coûts de revient y sont deux fois moins élevés qu'en Afrique ou en Guadeloupe. Certaines organisations humanitaires y auraient observé aussi de faibles salaires, l'absence de protection sociale ou l'usage massif de pesticides. Les menaces américaines interviennent donc alors que le déficit du commerce extérieur des États-Unis s'est fortement alourdi. Mauvaise nouvelle, propice au protectionnisme et à une certaine agressivité commerciale. Le président du Conseil constitutionnel, M. Roland Dumas, est révolté mais combatif face aux demandes de démission issues des rangs politiques à droite comme à gauche. Ses avocats rappellent les principes de présomption d'innocence et de secret de l'instruction et M. Dumas affirme qu'ayant la conscience en paix, il continuera en toute sérénité de présider le Conseil constitutionnel. Mais depuis sa mise en examen au mois d'avril 1998, dans le cadre du dossier de l'affaire Elf, les pressions pour qu'il démissionne ont été nombreuses. Commentaire Françoise David. Cérémonie très officielle ce matin et parmi les hautes personnalités présentes au deuxième rang à droite, Roland Dumas. Car le président du Conseil constitutionnel l'a fait savoir, il ne démissionnera pas. Mis en examen dans l'affaire Elf, il vient d'être atteint par les révélations de son ancienne amie Christine de Viejoncourt. Depuis la mise en cause de Roland Dumas dans l'affaire Elf, la question de son maintien ou non à la tête du Conseil constitutionnel se pose régulièrement. La situation judiciaire de son président nuit-elle à la réputation de cette institution? L'empêche-t-elle de fonctionner normalement? Non, avait jugé le 14 juillet dernier Jacques Chirac. Il y a ce qui relève de ma responsabilité, c'est-à-dire, comme vous le dites, le bon fonctionnement d'une institution essentielle de la République. Et pour le moment, ce bon fonctionnement n'est pas en cause. Cette position n'a pas varié et elle est relayée encore aujourd'hui par ses proches et par la majorité des socialistes. Quelle que soit la fonction que vous occupez, vous êtes présumé innocent tant que la justice n'a pas établi votre culpabilité. Lorsqu'on est à ce niveau de responsabilité, on sait ce que cela signifie. Et donc on doit agir en son âme et conscience. Mais certains dans l'opposition souhaitent, eux, le départ de Roland Dumas. Je ne vois pas comment les Français peuvent admettre que quelqu'un qui est très régulièrement, depuis plusieurs mois, soumis à des critiques, à des articles de presse, à des ouvrages tels, comment est-ce qu'on pourrait reconnaître une quelconque crédibilité à l'institution qui préside? D'autres encore, comme Alain Perfit, veulent pousser Roland Dumas à la démission, une hypothèse réfutée par certains juristes. Je crois qu'en tout cas, c'est l'institution elle-même qui doit prendre les mesures qui, le cas échéant, s'imposent. Ce n'est pas de l'extérieur que la solution peut venir. Hier soir, en sortant d'une réunion présidée par Roland Dumas, les 8 autres sages s'abstenaient, eux, de tout commentaire. Et puis le nom de M. Roland Dumas est prononcé de nouveau à l'occasion de l'ouverture d'une information judiciaire concernant la succession du sculpteur Alberto Giacometti. C'est le commissaire-priseur maître Jacques Tajan qui serait mis en cause. Enquête Olivier Caroff, Fanny Auverny. Y a-t-il eu faux en écriture publique lors d'une vente organisée à la demande de Roland Dumas par le commissaire-priseur Jacques Tajan? Depuis hier, un juge d'instruction est chargé d'une information judiciaire contre X dans ce dossier. Les faits remontent à 1994. À l'époque, 14 sculptures et 4 tableaux de Giacometti sont mis aux enchères. Dans le monde de l'art, c'est un événement, car en dehors de cette vente, la plupart des œuvres du sculpteur sont réservées à une fondation et donc invendables. Lors de la vente, une pièce ne trouve pas preneur, c'est le lot numéro 6. Pourtant, cette sculpture se retrouve quelques mois plus tard chez un collectionneur privé. Pour l'association Giacometti qui a donné l'alerte, il y a là une grave anomalie. Nous n'avons pas très bien compris comment il se faisait qu'une œuvre qui était réputée, qui était indiquée ne pas avoir été vendue lors de la vente aux enchères de juillet 1994, pouvait quelques mois plus tard
se retrouver en Suisse. Exécuteur testamentaire de la succession Giacometti, Roland Dumas n'est, selon ses avocats, pas concerné par cette affaire. Interrogé par le journal Libération en avril dernier, il avait tout de même évoqué une confusion lors de la vente aux enchères. Peut-être une erreur, mais disait-il, pas d'entourloupe. Entendu par la brigade financière, les responsables de l'association, eux, soulignent l'opacité de la gestion de la succession. Ils demandent depuis longtemps l'inventaire complet des œuvres réservées à la fondation. Ça fait 5 ans que pratiquement qu'on demande à Roland Dumas et donc à Tajan et à Chassagne de transmettre ces documents pour qu'on puisse établir cette liste d'œuvres inaliénables. Ils veulent pas vous dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Ils ne veulent pas nous communiquer ces documents. Si Jacques Tajan ne souhaitait pas réagir hier à l'ouverture de cette information judiciaire, il s'était exprimé il y a quelques jours sur les critiques portées par l'association. Ces personnes cherchent querelle à la famille Giacometti, cherchent querelle à l'exécuteur testamentaire, cherchent querelle au notaire, cherchent querelle au commissaire priseur. Il y a des gens, il y a des malades comme ça de la querelle. Alors, heureusement qu'on est au-dessus de ça et que... Laissons dire. Le problème, c'est d'avoir sa conscience. La fondation, voulue par la veuve d'Alberto Giacometti, est annoncée depuis 10 ans. Elle n'a toujours pas vu le jour. Les œuvres qui lui sont destinées sont estimées à près de 800 millions de francs. C'est à la justice désormais d'en revoir l'inventaire et la comptabilité. Dans la perspective des Jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney, en Australie, un laboratoire technologique vient de mettre au point un système inédit de protection et de codage des différents articles qui seront vendus à l'occasion de ces Jeux. Ce laboratoire utilise l'ADN d'un champion australien pour éviter toute contrefaçon. Explication avec le reportage de Romuald Bonnand et Claude Sicard. Des t-shirts, des casquettes et autres souvenirs frappé du sceau des prochains Jeux Olympiques de Sydney. On appelle ça des produits dérivés. Un marché juteux, estimé à plus de 10 milliards de francs et qui pourrait rapporter plus encore s'il n'y avait pas de contrefaçon. Alors pour rendre ces produits infalsifiables, le Comité Olympique Australien a utilisé un codage inédit. Tout simplement à base d'ADN humain. Quelques cellules prélevées sur les gencives d'un champion olympique et dont on a extrait une partie du code génétique. Après traitement laboratoire, pour répliquer ce fragment, l'ADN est inséré dans le tissu des vêtements ou encore l'encre des étiquettes. Mais il y a une astuce. Ce boîtier qui contient, lui, la partie complémentaire de l'ADN. Et lorsque les deux parties sont en contact, elles vont se reconnaître. Le boîtier le signale automatiquement, prouvant l'authenticité de l'objet. Avec cette méthode, je vais pouvoir saisir un tribunal et prouver qu'un objet est contrefait. Car en génétique, il y a une certitude. Le patrimoine de chaque individu est unique, un véritable code secret, impossible à falsifier. Aux Jeux Olympiques, l'essentiel c'est de participer. Pour d'autres, c'est de ne pas perdre. Perdre de l'argent, environ 5 milliards de francs, soit 50% des recettes en produits dérivés pour les Olympiades de Sydney en l'an 2000. Sport, voile, route du Rhum, chez les monocoques, la Française Catherine Chabot est en tête. Elle fait, selon l'expression de Christophe Duchiron, la nique aux hommes. Et puis chez les trimarans, c'est la bagarre en tête entre Paul Vatine et Laurent Bourgnon. D'une certaine manière, depuis 24 heures, Laurent Bourgnon joue à cache-cache avec la tête de la course. Hier, il était deuxième, puis premier cette nuit, puis deuxième ce matin, et enfin premier à nouveau en milieu de journée. Bourgnon bien calé sur la route directe, son bateau avance à la bonne moyenne de 17 nœuds, plus de 30 km/h. Il est deuxième ce soir, il était premier à midi, Paul Vatine ne quitte pas les avant-postes pour autant, mais voilà qu'Alain Gauthier pourrait menacer sa deuxième place dans les heures qui viennent. Gauthier, qui a parcouru 350 000 dans les dernières 24 heures, la plus forte progression des multicoques, c'est vous dire qu'à bord, ça n'est pas l'ambiance de la croisière s'amuse. Ah ben, c'est pas des vacances, hein. Ça c'est clair, pour aller à la Guadeloupe, il y a des moyens plus reposants. Mais bon, on s'y est préparé. Ce sont des bateaux exigeants, ça c'est évident. Quelle que soit l'allure, même dans le petit temps médium comme hier. Après 3 jours de course en multicoque, on distingue 2 catégories de bateaux. Ceux qui sont en tête actuellement et qui font une route plus au nord, Bourgnon, Vatine, Gauthier, Guillemot, Camas. Plus au sud, on retrouve Carluère, Perron ou Joyon encore plus bas. 2 options, 2 manières de courir. D'après Olivier de Kersauzon, joint cet après-midi,
Avec des conditions de mer plus difficiles, la route nord, c'est du sport. Je crois qu'elle est dure pour les hommes et dure pour le matériel. Donc ça va être un petit peu à qui va flancher le premier. Sur le sud, c'est celui qui récupère la meilleure glisse. Mais la dose de stress, et pour les hommes et pour le matériel, est bien différente. D'après les spécialistes de la météo, il faudra attendre 48 heures pour savoir qui des nordistes ou des sudistes a réussi son coup. 48 heures de suspense dans l'Atlantique Nord. Théâtre avec la Comédie Française qui présente en tournée son spectacle des Fourberies de Scapin de Molière avec dans le rôle titre Philippe Torreton. La tournée de la Comédie Française se fera dans 9 villes jusqu'au 20 janvier puis en Europe de l'Est jusqu'au mois de mars. Ce soir, c'est la dernière représentation à Narbonne. Voici quelques instants de la vie de la troupe de la Comédie Française en tournée avec le reportage d'antoine Cormery et Jacques Gérard. L'homme qui lui jettera la première pierre. Sans doute à l'époque de Molière, les comédiens qui vinrent quatre fois à Narbonne, probablement par les mêmes chemins, chantaient-ils eux aussi les tubes de l'époque. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir raté votre vocation là? Ah, moi si, absolument, mais j'arrête pas de le dire tout le temps, mais personne. On est loin de l'image jaunie d'une comédie française un peu guindée. Moyenne d'âge, autour de 35 ans, de l'enthousiasme à revendre et beaucoup de plaisir à découvrir du pays pendant 3 mois. Ça fait vraiment partie du théâtre. Pour moi, c'est l'image d'Épinal du théâtre, c'est de partir en tournée. C'est le Molière avec l'illustre théâtre, c'était simple. Au programme, le classique des classiques, les Fourberies de Scapin, mis en scène par Jean-Louis Benoît, encensé par la critique et bardé de récompenses avec deux Molières l'an dernier. C'est la deuxième étape d'une tournée de 9 villes. Les places sont toutes réservées depuis des mois. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que je vais vous lui envoyer par moi tout à l'heure 500 écus. Il va vous emmener votre fils en Alger. Comment diantre 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Oh yeah. Philippe Torreton, qui fut un inoubliable capitaine Conan au cinéma, prête sa gouaille de Normand au héros de Molière. Il mène vraiment tout le monde en galère à coups de mensonges et de taloches, mais dans cette version-ci, il est pourtant le seul à ne pas être bouffon. J'ai souvent vu Scapin bouger dans l'absolu de bouger. Arriver genre, ah c'est moi, genre Belmondo, j'ai la pêche, tout ça, bing bing bing. Or, non, c'est, les choses arrivent au fur et à mesure. Et nous, toute la pièce est construite, enfin toute la mise en scène, et la pièce aussi je pense, est construite comme une lente entrée en action, comme ça. Mettez-vous bien jusqu'au fond. Jusqu'à l'apothéose qui est la scène du sac, où là, il se libère totalement et on assiste presque à une tentative d'assassinat. Ah. Ah. Attends. Ah, tu veux en tâter? Voilà. Le public, ce soir-là encore, fera un triomphe aux 10 comédiens du français. Scapin, 3 siècles après sa création, est toujours un succès. Il s'exportera même à l'étranger cet hiver pour une tournée en Europe de l'Est. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle 2 titres que nous avons développés, 2 informations. Les cérémonies du 11 novembre, Jacques Chirac et la reine Elisabeth II d'Angleterre ont rendu hommage aux combattants de la Grande Guerre, 80 ans après. Et puis les États-Unis. Les États-Unis qui se déclarent prêts à frapper l'Irak si Saddam Hussein ne permet pas aux représentants de l'ONU de continuer leur mission d'inspection. Dans quelques petites secondes, la météo avec Isabelle Martinet qui prévoit déjà un week-end frais. Puis Gérard Klein dans l'Instit. À 0h50, le journal de la nuit vous sera présenté par Florence Duprat, suivi du cercle de Philippe Lefebvre. Demain à 13h, Carole Gessler se sentira sans doute ici un peu seule car notre ami Rachid Arab a fait une mauvaise chute lors du journal aujourd'hui à Verdun. Il sera éloigné quelques semaines de nous, mais nous lui faisons un grand signe amical ce soir. À demain 20h, bonsoir, merci.